Hey hey! Préparez-vous à plonger dans un tout nouvel épisode! C'est le défi de la sirène riche contre la sirène pauvre. Marc, comment ça se passe? Notre ami est prêt à faire le grand saut. À la pêche? Dans la baignoire? Oh! Hey les filles! Comment ça va la vie dans la baignoire de Marc? Le gâteau est à Carrie. Désolée, les filles sont trop intelligentes pour toi. Oh, ne sois pas triste, je suis sûre qu'il y a quelque chose pour toi. Fini de jouer. Oh, des bonbons. Qui va l'avoir? Moi. Oh, Marc, bonne chance avec celui-là. Comme les rôles ont changé. Désolée, mon pote. Les poissons recherchent les ennuis. C'est pas comme ça que tu pensais que ton voyage de pêche allait se passer, n'est-ce pas? Bienvenue, bienvenue. Oh, il est juste timide. Lève-toi et brille, princesse. Est-ce que c'est de l'argent partout sur ton mur? Oh, waouh, cette fille est riche. Et voilà son milkshake rose. Quel petit déjeuner. Maintenant, on se répare. Très bien. Allez, viens, viens. En attendant, la couverture est en carton. Oh mon Dieu, cette fille est vraiment pauvre. Un soda d'une semaine. Retour à Carrie. Elle se prépare à prendre un bon bain relaxant. Quelle merveilleuse façon de commencer la journée! Notre eau de sirène dorée, s'il vous plaît! Waouh! Incroyable! Voilà ton dentifrice magique! Ah oui, elle est faite de diamants! Tu es magnifique! D'un autre côté, voyons comment cette petite sirène se prépare. Oh, c'est pas beau à voir. Voilà la transformation. Et voilà. C'est sûr que c'est pas très joli. Marc, qu'est-ce qui se passe? Voilà Kate avec le déjeuner. Oh, trop chouette. Oh, merci. Ce sandwich est délicieux. Elle peut te battre. Oh, te battre 100 fois. Oh, désolée, Kat. On n'a aucune chance. Miam, miam, miam. Kate, qu'est-ce qu'on fait? Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Oh mon Dieu. Les filles. Flash d'il y a 10 ans. On ne peut pas laisser ces poissons lui faire ça. Bye. Et vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Wow, ça valait tellement le coup d'attendre. Et pour Kate, de bons vieux beignets. Merci, je suppose. Ils ont l'air délicieux. Mais ce n'est pas un gâteau de Carrie, ça c'est sûr. Bon appétit à vous deux. Miam, miam, miam. Marc, quoi de neuf, mon pote? Wow! Que pensent les sirènes de... Tu sais, je suis sûre que c'est comme leur beau-frère. Kate, réfléchis. Génie! Kate fait le bon vieil échange. T'es en sécurité. Il s'en est fallu de peu. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun moyen pour que Marc ne remarque pas que son poisson n'est pas vraiment un poisson. Le chef n'a pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Pauvre Jess. Allez,
Dr. Kate, la toute première sirène médecin. Commencez la réanimation. On est en train de les perdre. Vite, il a besoin d'eau. C'est parti. Spritz. Pendant que Marc fait une crise d'hystérie, les filles ont réussi à ramener le poisson. Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh mon Dieu! Hey là! On dirait que les deux filles se sont prises d'affection pour notre garçon. La fille riche a choisi Marc. Et l'abeille fit le pauvre. Oh mon Dieu, ce garçon a l'embarras du choix. On doit sortir le grand jeu. Pas de problème pour notre riche. Oh, bam! Quel tour de magie! Elle ressemble à une superstar. Oh Kate, comment on va pouvoir rivaliser avec ça? Réfléchis! Maintenant c'est gênant. Attends juste un petit moment. Marc réconforte la pauvre Kate. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui faire changer d'avis. Oh, Carrie, tu as perdu cette fois. Ne t'inquiète pas, il y a plein de poissons dans la mer. Hey! Wow! Tu as réussi avec la plus belle fille que j'ai jamais vue. Et le rendez-vous est aujourd'hui. Wow, préparons-nous. Un vrai gentleman. Elle va adorer ça, Marc. La voilà. Oh! Elle est magnifique! Hein? Carrie! Et elle est là pour le garçon aussi. Elle transforme Kate en une fille ordinaire. C'est tellement triste. Tu n'es pas la riche reine des sirènes? Non, mais tu sais qui l'est? Eh bien, amusez-vous bien les deux tourtereaux. Quoi de neuf, Marc? Regarde Carrie dans toute sa merveilleuse richesse. Marc est totalement intimidé. Je veux dire, qui ne le serait pas? Tu vas la rendre, n'est-ce pas? Et voici Kate. Je me demande ce qu'elle pense de tout ça. Pas vraiment fan. Bam! Allons chercher notre homme. Allez! Oh! Cette robe est une beauté. Allez, bébé. Génial. Maintenant, hey. Désolée, Kate. C'est pas exactement ce qu'on appelle un succès. Plan B. Qu'est-ce que c'est? Du spray doré? Elle est en or et ne peut plus bouger un muscle. Tu viens de faire l'œuvre d'art du siècle. Et une cargaison d'argent liquide. Bien joué, ma fille. Hey, hey! Il est temps de se mettre au travail. Prêtes toutes les deux? Commençons le cours. Kate travaille très dur. Oh, regardez ça! Oh oui! C'est absolument incroyable! Tu as un vrai talent. Et Carrie va devoir travailler très dur pour ne pas avoir à travailler très dur. C'est-à-dire qu'elle va devoir échanger sa place. Que peut-elle offrir? Il faudra plus que ça. Beaucoup plus. Allons-y, Kate. Tu es sur le point d'avoir le casse-croûte de ta vie. Secouer? Wow, ma fille, j'ai pas un très bon pressentiment à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'échange est terminé. Et il est presque temps d'avoir des notes pour notre travail. Et maintenant, Kate est à court de peinture. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça ressemble à un A+ pour Carrie. Et pour Kate? Wow, oh non! Fail! Mon Dieu! Bien joué, Carrie! Ah, mon étudiante vedette!
Attendez une seconde. Madame Donovan ? Ah, se détendre au bord de la piscine avec maman. C'est génial. Qu'est-ce que c'est ? Irina est partie se baigner. Ça a l'air sympa. Maman, Elsa peut y aller aussi ? Maman dit non. Allez ! S'il te plaît ! Non, nada ! Est-ce qu'elle doit te l'épeler ? N-O-N. Idée ! Elsa saute en l'air. Oh mon Dieu ! Les gars, vous feriez mieux de faire attention. Irina, attention maintenant ! Maman, regarde ! Ah, bombe ! Ça ne va pas être un retour amusant à la maison. Le burger est fichué. Oh mon Dieu ! Regardez ! Le secret de maman est révélé. Désolée. C'est une sirène. Oh, tu as de gros problèmes, Elsa. Continue de rire. Maman peut te surpasser en un instant. Oh, Elsa. Oh, désolée, maman. J'adore ces bijoux, cependant. Hey, maman. Fête à 6 heures. Tu dois être là. Mais la queue. Oh, on ne peut pas sortir comme ça. Ah, sèche toute cette eau et sûrement tes jambes reviendront. Allez, allez, allez! Oh, c'est dur. Et la fête est dans quelques heures. Oh, merci. Regardez ces jambes, fantastiques. Très bien, allons-y. Oh mon Dieu! J'ai bien peur que ce séchage de jambes n'ait servi à rien. Tu vas devoir faire de gros efforts pour ne pas avoir une goutte sur toi. Mince! J'aurais dû apporter un parapluie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Idée! Je me demande ce qu'elle fait. Oh, c'est l'heure des cupcakes. Oh, je suis à bord. Miam, miam, miam. Passez le jus de fruits et les bonbons. Quel plaisir. On peut commencer à manger le gâteau bientôt, s'il vous plaît. Ok, ok. Dans un instant. La meilleure fête du monde. Totalement. Oh, mon Dieu. Maman? Eh bien, c'est une façon d'être sûre que pas une goutte ne te touche. Mais tu sais ce qui serait moins embarrassant? Les laisser découvrir que tu es une sirène. Ah! Le gâteau! Maman! Quelle catastrophe! Qui est le suivant pour voir le prochain spectacle? La mère sirène et sa fille Elsa. Sécurité, laissez-les passer. Attendez, vous voyez ce panneau? Regardez. Elle dit « Pas de sirène autorisée ». Quel outrage! Oh oui, je l'ai dit. Il doit y avoir un moyen de faire entrer maman à l'intérieur. Faut juste qu'on s'y mette. Compris, Elsa? Ok, j'écoute. Allez! Maman s'est déguisée en gardien. C'est convaincant, à part le sautillement, bien sûr. Chris, pourquoi tu ne prends pas une pause? Ce garde prendra ta place. Chris accepte. Wouhou! Vous avez réussi toutes les deux? Profitez du spectacle! Waouh! Tu as amené tout l'océan avec toi? Mon sang, Louise! Oh, et une dernière chose? On va remplacer pas de sirène par pas de sécurité. Parfait! Maintenant, revenons à notre programme habituel. Maman s'est occupée de notre petit problème. Profitons-en en mode sirène. Oh oui! Salut les filles, comment se passe le cours? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu embarrasses la pauvre Elsa. Bon, t'es divine. Tu dois sortir d'ici. S'il te plaît, je t'en prie. Le pire cauchemar de tout le monde juste ici. J'adore. Maman! Pfiou, Dieu merci, elle est sortie. Qu'est-ce que tu regardes? Oh waouh! Peut-être que ces gâteaux valent la gêne occasionnée. Je dirais que oui. Regarde cette étoile confite. Mmh. Wow! Elsa sent quelque chose. Prête? Ces cupcakes ont donné à Elsa des pouvoirs de sirène. Et au lieu de pulvériser sur Jess, elle a couvert le professeur de la tête aux pieds. Comme si cette journée ne pouvait pas être pire. Prépare-toi pour une détention de sirène. Mademoiselle, regarde cette sirène gâteau. Quelle merveille! C'est à vendre.
Il semble que maman Carrie l'achète avant la maman d'Elsa. Mais ce n'est même pas une vraie sirène. Blasphème! On n'a même pas assez d'argent pour l'acheter. Mais maman veut absolument le gâteau aussi. Et c'est comme ça que ça commence. Et la commerçante décide, avant que le gâteau ne se répande partout, que puisque elle est une vraie sirène, c'est elle qui aura le gâteau. Nous, les sirènes, on doit serrer les coudes. Bien joué! Désolée, maman Carrie. Plus de chance la prochaine fois. Merci pour le gâteau, Jessie. Tu es la meilleure. Salut, Elsa. Pop, pop. Bonjour, l'étranger. Ah, tu es ici pour la maman d'Elsa. Ok, j'arrive. Regarde ces trucs et cette moustache. Maman, maman, un mec est là pour toi. Une moustache, grande, ça te dit quelque chose? C'est le rendez-vous de maman. Mais elle ne peut pas sortir en sirène. Qu'est-ce qu'on fait? Trouve quelque chose, vite! Une idée? Elsa s'est habillée comme maman. C'est génial! Ici, les lunettes. Maintenant, on va t'occuper de notre invité, tu veux? Allez, vas-y. Oh, Chris, par ici. Waouh, tu es encore plus belle que sur la photo. Chris s'est fait avoir. Genre, vraiment. Oh, c'est bonbon. Ah, 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 tchoum. Chris, wow. Tu es une sirène. Mes plus sincères excuses. J'ai une surprise pour toi, monsieur. Et une longue histoire. Ils sont faits l'un pour l'autre. Un mariage fait dans la couche de Poséidon. Maman, regarde cette robe magnifique. Tu pars en vacances? On dirait bien. Et elle doit prendre toutes ses affaires, bien sûr. Super. On ne peut pas se tromper avec un joli violet. C'est parti. Et de l'orange classique. Tout est prêt. Maman, où est-ce qu'on va aujourd'hui? On suppose qu'on le saura bientôt. À l'aéroport. Mais d'abord, on doit aller voir Elsa. Elsa, qu'est-ce que tu emmènes en voyage? Des bonbons. Encore deux. Et maintenant, deuxième sur la liste des priorités, les vêtements. Très bien. Et on est prêt à partir. Rempli et ferme. Allez, on y va. On ne peut pas être en retard. Ouf. Tout est fait ici. Oh, salut maman. Salut chérie. Les dames partent en vacances séparément. Allons-y. Je suis impatiente. Profitez bien vous deux, vous méritez une bonne pause. Elsa, la voiture est là. Maman est arrivée à la station balnéaire. Il est temps d'enfiler une queue et d'aller sur l'eau. Ah, c'est bon, c'est le moment. Ouh. Oh non! Une valise pleine de vêtements normaux. Et pas une seule queue de pied en vue. Ça, c'est pas bon. Oh, est-ce que quelqu'un au Mermaid Resort Patrinja? Désolée, mademoiselle, c'est fou. Une idée frappe maman. On a fait assez de projets de bricolage pour savoir ce qu'il en est. Waouh, c'est parfait. Regardez toutes ces couleurs chatoyantes. J'adore. Elsa, j'ai des nouvelles pour toi. Et il est temps de trouver maman et de faire un échange rapide. Si seulement maman n'avait pas découpé tous tes vêtements pour faire une queue. Oh, quel gâchis. Elle n'a rien pour toi. Qu'est-ce qu'elle est censée faire avec elle? Tu apprécies le spectacle, sirène Rina? Je dirais que oui. Quelle chance. Désolée, vous deux. Oh, wow. Oh, qu'est-ce qu'Elsa est censée faire avec ça? Oh, tu sais, très bien. Oh mon dieu, jolie robe! Maman sirène doit être très fière. Qu'est-ce que... ok. Ah, on se repose à la piscine. Waouh! Kate, tu te sens bien? Il fait 100 degrés ici. Apportez-moi un ventilateur. Merci, Danny. Ouh. Non! Qu'est-ce que le garçon va faire? L'un veut la brise et l'autre est sur le point de se transformer en glace. Waouh!
La fille gelée est en feu et là pour vous donner une leçon à tous les deux. Profitez de vos pouvoirs, les filles. Utilisez à bon escient. Oh oui! Trop cool! Fille de glace et fille de feu. Classe de magie, c'est génial! Notre professeur est diplômé dans toutes sortes de magie. C'est une vraie experte. Prêt à apprendre? Première leçon, la télékinésie. L'art de déplacer des objets avec son esprit et sa baguette. Incroyable! Qui va commencer? Katie. Ah oui, Katie, toi. Vas-y. Wouh! Tes pouvoirs de congélation sont hors de contrôle. On va devoir travailler là-dessus. Terrible travail, Kate. C'est vraiment décevant. Tu dois apprendre à contrôler tes pouvoirs. Suivante, Stacy. Voyons comment elle s'en sort. Wow! Énorme succès! Comment? Elle avait les yeux fermés. Oh, t'es vraiment d'un naturel. Tous ces mouvements vifs aussi, c'est vraiment pas facile. Waouh, un travail époustouflant. Pas possible. Et c'est ainsi que ça se termine. Un merveilleux tour de magie qui se termine en un désastre total. Tu ne viens pas te faire un cupcake à notre professeur. Stacy, essaie de réparer ça. Et ça devient 10 fois pire. Oh non! Ici! Stacy! Je pense que t'as assez aidé aujourd'hui. Et c'est fini. F-. Hey! Bienvenue à l'ultime compétition des Pom-Pom Girls. Nos filles sont en compétition pour la coupe de bonbons, le prix le plus prestigieux de l'école. Allez, on se prépare à commencer. Elles veulent toutes les deux le prix. Méchamment! Wouh! Oh oui! Le juge est prêt. Oh, très bien. J'adore voir les pom-pom en action. C'est le point en moins pour Kate pour avoir perdu un pom-pom. Stacy est dans son élément aujourd'hui. Ah, idée! La magie froide rend le sol glissant. Et Stacy fait une énorme chute. Oh non, elle a pas vu ça. C'est un désastre total pour Stacy. Pense à quelque chose et fais-le vite. Ok. Joue avec le feu, attendez-vous à être brûlé. Le coach devient fou en pensant... Oh, est-ce que c'est vraiment les meilleurs cheerleaders qu'on a? Qu'est-ce que... C'est une honte! Les filles, oh mon dieu! Stop! Boum! Oh non! Notre entraîneur est recouvert de chocolat fondu de la tête aux pieds. Oh mon dieu! Alors, qui a gagné? On dirait qu'à égalité. Ok, les filles, vous feriez mieux de courir. Maintenant! Bienvenue au cours de chimie avec Miss B. Ah, c'est ultra chiant. Ah! C'est vraiment nul. Attendez. Idée! Regarde! C'est l'heure de la crème glacée pour Miss Katie. Ça te va si bien. Et ça fait du bien aussi. Stacy, tu as quelque chose pour le goûter? De la crème de lave? Waouh! C'est brûlant. Elle va vraiment manger ça? Oh! Stacy le déverse sur le sol de la classe. Eh ben, ça va être un sacré nettoyage. Le sol est de la lave. Tout le monde, mettez-vous en hauteur. Oh waouh, quel désastre. Est-ce que ça veut dire que le cours est annulé? Oh, s'il vous plaît, qu'il en soit ainsi. On demande à la fille de glace de l'éteindre. Ok. Mais elle ne fait qu'empirer les choses en congélant le professeur. Ok, retour au snack. Hey ma fille, super casier! J'adore tous ces bonbons. Oh waouh, tellement de snacks. Trop jalouse. Du chocolat. Kate, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh, la seule chose à moitié manger? Des M&M's, mince. La fille riche Stacy se rigole bien. Elle va pas tarder avec Kate? Oh oui, elle va le faire. Waouh, super cool. Attends, le pouvoir du feu. Ah, c'était quoi ça? Tu n'as pas envie de te faire fondre aujourd'hui?
Essaye ces chips. Elles sont chaudes et épicées. Ah, oh non! C'est donc ce qui arrive quand on mélange le feu et la glace. Dieu m'en noter. Le casier de Stacy est complètement fichu. Et Kate ne va pas sentir ses papilles gustatives pendant quelques jours. Oupsie! Désolée, copine. Oh, sois maudite. Allez! On se prépare pour concourir pour la reine du bal. C'est une journée stressante, alors vous feriez mieux de manger tous ces bonbons. Tellement bon! Ah, géant en chocolat! Oh non! Le chocolat de Stacy est en train de fondre à cause de ses pouvoirs! Ça doit être la robe de bal de Kate. Et ça donne une idée à Stacy. Quoi? Feu! Ouch! Non! C'est foutu! Oh, c'est vraiment le bazar! Chocolat fondu! Il y a des emballages partout! Et la robe! Non, non, non! C'est terrible! On ne peut pas réparer ça! La reine du bal est hors jeu maintenant! Oh. Stacy va être couronnée! Katie n'a même pas eu la chance de concourir! Et elle est de retour pour se venger! Allez! La couronne ne va pas partir! Allez! Quoi? Encore, encore! Wouch! Et c'est la fin de la compétition! Aucun gagnant n'est couronné aujourd'hui! Ah, quelle belle journée! Hein? Kate, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pense que tu es mieux au lit avec une tasse de thé bien chaude! Oh, la pauvre! Wouch! Si Kate ne peut pas passer un bon moment, personne ne peut. C'est parti! Je crois que tu as oublié, Stacy a aussi des pouvoirs. Et donc le jeu de va-et-vient commence. Mon sang! Ici pour le spectacle! Tu veux savoir pourquoi il est préparé? C'est arrivé tous les jours depuis l'ouverture de la piscine. Personne ne se moque des filles. Wouch! Tu donnes une leçon à ce garçon stupide. Ah! Bien joué. Santé. Hey, la piscine a l'air bien. Et ce magnifique garçon aussi. Dang. Stacy a décidé qu'elle devait absolument l'avoir. Et... go. Quelle immaturité. Tout pour le garçon. Oh, mignon! Kate a raté sa chance. Et Stacy fait tout son possible pour qu'il l'apprécie. Même avec un magnifique gâteau. Waouh! Regardez ça! Danny va couper le gâteau. Fantastique! À quoi va ressembler l'intérieur, je me demande? Orange vif à l'intérieur? Quel rêve! Tu es tellement dedans, Stacy! Ou pas! C'est beaucoup trop épicé! Sa bouche est en feu! Stacy, on en a déjà parlé! Tu as en quelque sorte des capacités surhumaines! Pauvre Danny! Kate décide que tout n'est pas perdu! Tiens! La fille de glace à la rescousse! Oh la vache! Essaye de battre sa fille du feu! Je parie que tu peux pas! Danny appartient à Kate! Un mariage fait au paradis! Ben s'est avéré être un garçon de la glace aussi. Oh, comme c'est romantique. Amusez-vous bien. Oh, ne sois pas triste, Stacy. Tu trouveras ton garçon du feu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes super fous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois. Peace.